Nous sommes à l'espace culturel. Georges-Émile-Lapalme à la Place des Arts à Montréal. Bonjour tout le monde et bienvenue au Lundi en musique. Welcome to Montreal. Aujourd'hui est une journée très spéciale pour les musiciens du Canada. Aujourd'hui, nous célébrons le pouvoir rassembleur de la musique dans nos vies. Bienvenue au Lundi en musique. En effet, Connor Ross est ici présent. Montréal dirigera la nation avec We Are One, Nous Sommes Unis. I heard the rehearsal for the hymn yesterday, and it brought shivers down my spine and a smile upon my face. Ici à Montréal, je vous présente les élèves de l'école primaire Gerald McShane. Last year, the Lifeboat and Gerald McShane Elementary collaborated on a music project to promote la diversité in Montreal. The song Dans le futur is a bilingual anthem written and performed by the students, and they hope to inspire young Quebecers to be proud of who they are. I present to you Gerald McShane. Music is all about opportunity, giving people an opportunity to create, express themselves, and to explore their inner voice. This song is about promoting diversity, but it's also about coming together for our differences, because we all walk different walks of life. But music can help us bring together everything. So I present to you Dans le futur by the Gerald McShane Elementary students. Enjoy. Star, but nobody thought I'd make it or have gotten far. I am proud of myself, but I was all alone. My family gave me hope and a place to call my home. They made me dedicated, I was full of loyalty, telling myself to never give up and enjoy my dream. Even if people said there's no luck, I will find a way, cause this is my life, that's why I feel alive today. Yeah. Never get discouraged.
Nous sommes présentement dans ce bel et nouvel espace culturel à la Place des Arts. Leur support a été hors de toute attente et nous souhaitons les remercier de tous nos cœurs. C'est avec grand plaisir que je vous présente le président-directeur général de la Place des Arts, Monsieur Marc Blondeau. Merci, David. Merci. Alors, l'équipe de la Place des Arts est vraiment très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui dans l'espace culturel Georges-Émile-Lapalme. Hello, Calgary. Le National Music Center Stage 1, on est heureux d'être en contact avec vous aussi. Alors, c'est une belle occasion de célébrer la musique, d'être dans un événement qui rassemble les générations et la jeunesse en particulier pour célébrer la musique au quotidien. Comme tu le disais, David, c'est absolument formidable. Ici, c'est un espace public qui sert précisément à ce qu'on fait et à ce qu'on voit ce midi. Il est très utilisé, c'est un lieu de promotion, de diffusion, de performance pour parler des arts. Et notre équipe de Place des Arts qui est ici travaille tous les jours à faire en sorte que des performances comme celle d'aujourd'hui. Alors moi, je dirais merci aux artistes, aux jeunes qui sont ici aujourd'hui, qui méritent une bonne main d'applaudissements. On est heureux de vous entendre. Faites-nous vibrer. Et je veux remercier, féliciter la Coalition pour l'éducation en musique. Remercie aussi la Fondation de la Place des Arts qui soutient les événements qui se passent ici. Alors, bon lundi en musique. Happy Monday Music. Bonne journée tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Blondeau. Maintenant, je vous présente l'ensemble à cordes de sixième année de l'école Le Plateau. L'année dernière, ils nous ont emballés avec leurs performances. Cette année, nous avons le plaisir de les accueillir de nouveau. Ils nous interpréteront un arrangement de la pavane de Forêt. Merci. Et avant tout, je tiens à vous dire à quel point la musique a beaucoup de bienfaits pour les jeunes depuis que j'enseigne. J'ai vu des grosses différences. Elle apporte au niveau cognitif, au niveau de la mémorisation, de la concentration, l'estime de soi, le fait de l'ouverture vers les autres. Il y avait des enfants que j'avais en deuxième année qui étaient très fermés, qui s'isolaient, ne parlaient presque pas. Et maintenant, ils ont hyper confiance en eux. Et il y en a même qui font de la composition. Ils sont fiers de nous le présenter. Il y a même des artistes assez connus qui sont passés par cette école. Jean-Guy Moreau, Denis Boucher, Tristan Lauvert. Et nous avons aujourd'hui une maman d'un de mes élèves, Mara Tremblay, qui a décidé de venir nous jouer avec nous. Alors, Mara Tremblay, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas eu le métier qu'elle a aujourd'hui si elle n'était peut-être pas passée par une école à vocation musicale. Thank you.
J'ai le plaisir de vous présenter Dr. Isabelle Cossette. With the Schulich School of Music since 2003, Dr. Isabelle Cossette combines the scientific, performing, and pedagogical components of music making in most of her teaching in music research. Dr. Cossette. Quel bonheur que la musique. Mais c'est pas seulement le bonheur, la musique. La musique, c'est aussi la santé, le bien-être. Selon le modèle biopsychosocial, puisque je suis une chercheure, pour être en santé, il faut prendre soin de nos besoins physiologiques, nos besoins psychologiques, sociaux et culturels. Bonne nouvelle, la musique fait tout ça. Quand on fait de la musique, on développe notre matière grise, on développe notre contrôle moteur, notre concentration, on peut développer nos habiletés langagières, on apprend à se connaître à travers le jeu. Puis ça, c'est pas seulement bon à 5 ans, c'est bon à 80 aussi. À tout âge, la neuroplasticité fait son travail. En se rassemblant pour faire de la musique, on brise l'isolement, on apprend à gérer notre stress. Et en plus, quoi de plus motivant que de faire de la musique pour se garder en santé? La musique a des effets positifs à tous les niveaux de notre santé et de notre qualité de vie. Puis, pour revenir au bonheur de la musique, saviez-vous que la recherche a démontré que les gens créatifs sont plus heureux? Avis aux intéressés. Jennifer Gasoi is to be described as one of the hottest children singers in Canada. She has won a Grammy Award and she was twice nominated at the Junos. Today she's collaborating. Today she's collaborating with the Harold Knapper School Choristers. These young students each have a love and passion for music, singing and performing that shines. They are involved in Harold Knapper's May Music Concert, The Rock Choir, and The Talent Show. Their music teacher, Miss Lana Turner, is very proud to showcase their beautiful hearts and voices. I present to you Jennifer Gasoi and the Harold Knapper Choristers. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici pour l'occasion de Music Monday. We're so happy to be here. I am a passionate musician. I've been writing music for over 20 years. I've been working with children in music for over 20 years, and I'm a huge believer in the power of music and music education in schools. When I was in grade 4, I had a music teacher who changed my life. She taught me the most amazing songs. I learned ukulele, and some of the songs, some of my favorite songs to this day are ones that I learned in her school, in her class. So I am thrilled to be singing with this amazing group of stars right in front of you. On va chanter une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Les Étoiles dansent dans le ciel. Les étoiles dansent dans le ciel, dansent dans le ciel, le ciel, les étoiles. Danse dans le ciel, le ciel. Les étoiles dansent dans le ciel, les étoiles oranges dansent dans le ciel, dansent dans le ciel.
dans le ciel, les étoiles blanches dansent dans le ciel Established in 1967, FAMEC groups the regional associations representing music educators in Quebec. Its mission is to promote the music educator profession and the presence of music as an essential part of culture and individual and collective enrichment. Representing FAMEC today is un musicien éducateur from École Thérèse Martin, Monsieur Raymond Saint-Georges. Merci, David. La Fédération des musiciens éducateurs du Québec est très fière, mais très fière de participer à un tel événement unique au monde. Elle recense depuis plusieurs années plein d'études scientifiques démontrant l'importance et la valeur de l'éducation musicale dans nos écoles. Faire participer un jeune à une activité musicale contribue à sa sociabilisation, sa concentration, sa pensée créative, l'imagination et sa discipline personnelle. La musique est rassembleuse. Elle fait la promotion de la coopération. Profitons-en pour célébrer la musique dans nos vies et ne faire qu'aujourd'hui qu'un seul orchestre. Merci. The next group fired up the events for us right outside of Place des Arts here in downtown Montreal. The St. Thomas Drumline is an extracurricular musical group at St. Thomas High School, made up of students in grades 7 and 8. They practice 1 hour a week, and they perform at sport games, concerts, and special events throughout the school year. I present to you the St. Thomas Drumline. Good afternoon. My name is Elizabeth Heyer, and I feel very privileged to be one of the music teachers at St. Thomas High School in Pointe Claire. Along with my colleagues, Teresa Landry and Kate Miller, we think that every school activity, whether it be a sports event, school pride, a visiting dignitary, or open house, is improved by live music. At St. Thomas, our award-winning jazz bands play for school pride, and the drumline plays for every sporting and public event that we possibly can. We are told that our groups make a big difference in the overall ambiance of an event by adding to the excitement. Many students remember their first moments at St. Thomas accompanied by the drumline, since we welcome parents and prospective students on the front steps. We hope that the enjoyment that our students get from playing music stays with them when they leave St. Thomas, and that music remains a part of their lives. Thank you.
Cette célébration du lundi en musique est possible grâce à la générosité et au support de la banque TD. TD est franchement un grand supporteur de la musique. Comme Amy a mentionné, TD est probablement la banque de la musique. Je vous présente Paul Lelièvre, vice-président du district Montréal-Centre à TD Canada Trust. Merci, David. Alors, bonjour à tous et bon lundi en musique, Montréal et Calgary. Au nom de mes collègues de la TD, je suis ravi de me joindre à vous pour donner le coup d'envoi de ces célébrations de la musique qui sont un événement tout à fait spécial. À la TD, nous croyons qu'il est essentiel d'investir dans la musique, son accès et son enseignement pour le bien de nos communautés. Depuis 2003 maintenant, la TD transmet l'amour de la musique chez ses clients et dans les collectivités en soutenant des centaines d'événements et de programmes musicaux. Pour une deuxième année consécutive, nous travaillons avec la Coalition pour l'éducation en musique afin de permettre aux élèves, aux musiciens et aux parents et aux collectivités partout au pays de célébrer le pouvoir de la musique dans nos vies. Comme vous pouvez le constater, lundi en musique est un événement tout à fait spécial et fantastique. Au nom de tous mes collègues, je tiens à remercier tous les intervenants de la Coalition pour l'éducation en musique et les artistes présents aujourd'hui. Vous faites un travail exceptionnel pour faire vivre aux jeunes, tout autant aux spectateurs, une expérience musicale extraordinaire. Et maintenant, que les célébrations se poursuivent. Merci beaucoup. Celebrating 75 years of professional concerts, the McGill Chamber Orchestra is one of Canada's most renowned chamber groups. Conductor Boris Brott, Doctor of Music, honoris causa, has led the MCO as artistic director since 2000. Today, the MCO is a vibrant ensemble consisting of Montreal's top professional musicians. I bring you Maestro Brott. Bonjour mes amis, je me réjouis d'être parmi vous pour célébrer lundi en musique. Music Monday has been one of the most important projects, and I'm proud to say that I was there right from the first year when we started to bring schools together from across the country to jouer la belle musique partout au Canada, en soulignant l'importance de l'éducation en musique dans les écoles. Parce que franchement, il n'y a pas un sujet d'une telle importance que la musique. La musique, c'est le plus important, parce que ça réunit notre âme avec notre cerveau. Et c'est la chose la plus importante d'apprendre n'importe quel sujet. Le mathématique, l'anglais, le français, toutes les langues, ça vraiment, c'est quelque chose qu'il faut signaler et supporter. Et maintenant, nous allons jouer la valse du sérénade de Tchaïkovski. Thank you.
Merci beaucoup. Merci. We have something very special for you. The N'We Jinan Iyu Itchi Tour is a music initiative that brings a mobile recording studio into schools and community centers across the Cree communities in Canada. The program is aimed to create an environment where youth can express themselves musically and creatively. The N'We Jinan artists are a collective of First Nation singers, rappers, and musicians from the Cree communities in Quebec. Thanks to Air Quebec, all the way from the shores of James Bay in northern Quebec, we bring you the N'We Jinan artists. We're really happy to be here. This is actually part of a project called N'We Jinan Iyu Ischi. N'We Jinan meaning we live here, Iyu Ischi meaning the Cree land. This is a CD that brought my mobile music studio to all of the 9 Cree communities in Quebec, and we compiled 19 original songs with the youth that are in these communities. And we put this album on iTunes last May, and it went number 1 in the country, which is something very proud. We're very proud to have that opportunity. We shot one music video called in the Chisasibi community called I Believe, and these are the artists that participated in this song, so proud to present to you N'We Jinan, I Believe artists. Here we go. Please put your hands together on the beat. The more energy we feel, I'm gonna throw out some free t-shirts if you guys want, all right? You guys ready? You guys ready? Let's go! Life is hard every day, I hustle. Can you relate with the pain and struggle? There's a climb down the caves and tunnels. I won't go quiet, you can take my muscle. Breathe in, breathe out, trying to feel air. Speak truth, let us show that we still care. Look death in the eyes with a real stare. From the heart, is there something to reveal there? Yeah. What kept me in the dark? As I take steps to earn respect and show my people love. In that progress, I feel exhausted, but I know the road is tough. Share your thoughts and expressions to the only one above. One day I'll get away from this place that drains my strength. I just need some inspiration to continue what I think. It's better for my future because it's never too late. We must believe in great things to achieve your success. How to live this life, struggling every day, never give up that fight. Trying to find a light, I gotta find a right, but it's taking me days and it's taking me nights. And I'm never gonna let it take the best of me. Stay true, stay real, that's the recipe. Even when you're down and out, got no energy, just look to the sky, let yourself fly free. Sequin, y'all, let's go. No matter where you come from, put your hands up like this with us, going y'all. Through the same. Sometimes I feel so numb. I just wanna walk away, but I won't give up. We all get stuck, we all feel love. That's right. It's why I believe we'll change. Tyson. I believe, I love to ball. I got a dream, I'ma make the call. It's reality, I will never fall. Tell me how to be, never need to stop me or hold me down. Cause I know what I'm doing, I'm growing now. I want to be free, make my homies proud. Making my moves and I'm going loud. My heart is pure, do I belong? I need my cure. I find a soul, so
it up for the N'We Jinan artists from Chisasibi. Thank you, everybody. Thanks for having us here. Skunda now. What, Jack? Love you guys. Super. C'est au collège Lionel Groux, dans le programme de musique, de chansons populaires et de jazz, que Raffi, Marc-André Binette, Martin Gauthier et François Mathieu se rencontrent pour la première fois. Après avoir joué ensemble plusieurs fois et s'être côtoyés au cégep pendant plus de 3 ans, les quatre amis décidèrent en 2008 de former le groupe Run for Cover, un groupe de covers rock. Ils sont reconnus pour leur habileté à jouer de plusieurs instruments, leur présence scénique incroyable, ainsi que leurs arrangements originaux de chansons populaires. Je vous présente Raffi. Hey! Salut tout le monde, on est le groupe Raffi et on est ici pour vous parler de l'importance de la musique à l'école, autant primaire, secondaire, au cégep, à l'université. En fait, on considère que c'est très important pour les passions. Donc nous, c'est une passion qu'on avait justement depuis qu'on était tout petit. Et voilà, l'école, ça nous a permis de s'améliorer en musique, d'avoir du fun aussi, vraiment, à l'école, autant dans le parascolaire que dans les cours. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on fait à qui on fait? Ah oui! We are so close to singing We Are One with all of Canada. But before we will do this, after this next artist's performance, Alain Caron est un vrai champion de la Coalition pour l'enseignement de la musique. Il a reçu de nombreux prix, incluant plusieurs prix Félix pour l'album Jazz de l'année, plusieurs nominations aux Junos, ainsi que le prix Oscar Peterson. C'est avec grand plaisir que je vous présente le quatuor Alain Caron. Thank you.
Le lundi en musique fait partie d'une plateforme plus grande, the Youth for Music Network. The Youth for Music Network is a platform for the voice of young people to bring importance for music in schools and communities. I am an ambassador of the Youth for Music Network, and we have many youth working on this project, and it's a great platform. You can look it up online. Last year, the coalition decided to do for the first time a search for the new Music Monday anthem. We had a great panel of many juries, including very famous musicians and producers. You are probably going to recognize this guy to my left. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, partout au Canada, here's Connor Ross. Before we get started, I just want to say some quick thank yous. I just want to say thank you to all the students and parents who have learned my song across Canada. I really appreciate it. It wouldn't be possible without you guys. Just a round of applause for them. I want to thank the Coalition for Music Education, TD Canada, and Yamaha Canada, as well as Rob Wells for taking my song and producing it in the studio way back at the Orange Lounge. Thanks to them as well. Obviously, huge thanks to my mom and my dad. They've been here for this whole journey. And thanks to everybody on stage with me. All right, we are one. Nous Sommes Unis. We learn to share and care and not think twice about. Two and two makes four, we never doubted. But it's what we learn through every note. What the nation needs to know, the tune inside your head is where to go. So if you take the chance to try to dance, you might just feel the rhythm. You read the notes and words we wrote, you might be singing with them. Honestly, I'm broke la musique et bénéfique. Viens te joindre. We are one. And takes you to that place. Well, don't you want the world to know just how to feel that way? How to teach them, can make, give them hope, and I know to play. The tune inside your head is where to go. Oh, and if you take the chance to try to dance, you might just feel the rhythm. The notes and words you wrote, you might be singing with them. Que la musique est bénéfique. Joins ta voix à nous. Nous sommes unis. Can you hear?
sing it with toi. Oh, 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 sing it with you. Oh, 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 oh. Thank you. All right. Merci beaucoup à tout le monde de vous être joint à nous pour ce lundi en musique. Restez à l'écoute pour l'année prochaine, le premier lundi du mois de mai 2016. Nous serons de retour. Vive la musique! We would like to thank all of Canada for joining us on this very important day, Music Monday. Everybody, stay on the lookout for next year, the first Monday of May 2016.